Ok les guys, une vidéo un peu différente que d'habitude, hein, vous pouvez voir ça. On se retrouve sur notre jeu. Je sais pas si vous reconnaissez comme ça, mais c'est en fait Minecraft. Minecraft, voilà, c'est écrit ici. Bref, en gros, on va essayer de faire une petite aventure. Ça va être comme une espèce de série. Donc du coup, tout simplement, c'est la saison 1. C'est du Minecraft Hardcore. Bref, bon, on va partir. Du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je me lance un peu dans un défi fou. Minecraft saison 1 survie extrême hardcore. Donc hardcore évidemment. Le biome au plenty. Aussi le mode au plenty qui rajoute taquet de biomes différents et tout. Voilà. Donc on est parti. Génération du monde. On se retrouve tout de suite. Ah bah super. Ouais, ça c'est un bon début ça. Spawn dans l'eau quoi. Regardez, je me fais attaquer direct. Wesh. Il me suit, lui. What the fuck. Mais attendez, je suis sur une île perdue. Avec un ennemi aux trousses. Bon. Je vais vous expliquer ça, mais ça va être compliqué de vous expliquer direct. Déjà que vous voyez que le jeu est vraiment magnifique. Hein. C'est pas du tout la même chose. Bon, par contre, là, il va falloir que je me casse. Alors ça, c'est hyper dangereux. C'est sable au mouvement, ces blocs-là. Là. Hyper dangereux si on est pris dedans, on crève, hein, évidemment. Vous voyez qu'il y a plein de petits oiseaux, des petites bestioles. C'est vraiment, le monde est très rempli quoi. Bon alors je vais juste essayer de m'en sortir. Le début de partie dans Minecraft est crucial. Donc, on va essayer de sortir. Évidemment, hein, on prend du bois. C'est la ressource primordiale. Allez, je vais couper tout ça, je vais me crafter des armes et tout. Enfin des armes, le début quoi. Ouais, on va se crafter une pioche. Donc on se crafte la petite pioche, important. On va se crafter une épée parce que je vois qu'il y a de la bouffe. Directement. La bouffe c'est hyper important. En début de partie c'est vraiment le truc, si t'en as pas tu meurs quoi. En début de partie ce qu'il te faut c'est de la bouffe et du charbon. C'est tout. Mais ça c'est de la bouffe aussi. Voilà, ça en prend. Voilà. Lui c'est de la bouffe là. Bon, ça c'est des bestioles qui sont rajoutées par les mods hein, évidemment, vous avez compris. Donne-moi ta nourriture. Tombe sous le pas. Quoi, il m'attaque lui? Wesh. Vas-y le renard là. C'est des petites baies là, on va se les manger. Voilà, très bien. Très bien. C'est quoi cette merde? C'est des escargots, ok. Il n'y aurait pas un pommier serait le top. Oh. Voilà, bon, on a de la bouffe. Ça, c'est très bien. On va directement se faire une pioche en pierre. Voilà. Parce que la pioche en bois, c'est vraiment de la merde. Du coup, on récupère de la pierre. Là, il nous faut du charbon pour passer la première nuit. Parce que les nuits sont particulièrement difficiles. Surtout quand on n'a rien pour se mettre à l'abri. On va se faire tous les instruments en pierre. Tac, tac. Voilà, alors. Une pelle, une hache et une épée. Voilà. Alors l'épée, la pelle, ça on le met là. Ça on s'en fout. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça on le met, c'est comme dans Fortnite. Les gars, c'est pour se protéger. On va partir à l'aventure vite fait là pour découvrir ce qu'il y a autour de nous. Ouais, là-bas, ça c'est le Between Land ça. Là, en fait, il y a des mages. Mais quand je vous dis des mages, ils sont hyper puissants les mages. Les mages, les magiciens quoi. Ils sont hyper puissants. J'ai un petit peu checké ça histoire de savoir ce qui se passe. J'ai jamais réussi à en battre un. Bon, après, j'étais pas non plus forcément très armé, mais bon. Ah, il y a des pommiers. Ça, c'est le top. Je pense qu'on va... On va se mettre bien là. Ça c'est un bon début de game. Hein. Ça, ça va, c'est cool. Oh, toi tu donnes à manger, je suis sûr. Yes. MRC. MRC la bouffe. Wesh. Donc on a qu'une seule vie et en fait on a je crois une vingtaine de défis. Je sais plus. Je vous les expliquerai bien sûr tous. Hein. On a une vingtaine de défis à accomplir. Et c'est des défis vraiment qui sont un peu durs. Il y a un serpent là.
Faire gaffe, il peut m'empoisonner. Il peut m'empoisonner et me foutre la misère. Bon, après, on va pas en prendre 3000 non plus des pommes. Hein. Ce qu'il faudrait, ce serait qu'il y ait des pousses qui tombent, comme ça je peux en replanter. J'en ai combien? J'en ai 3. Bon, ça va. Vas-y, les serpents, me saoule pas. Hein. Me saoule pas, je te dis. On a combien de pommes là? 59. Ouais, c'est bon. Ouais. 60. Vas-y, ça passe. Vas-y, le criquet, il rend pas fou. Bon. Du coup, là. Oh, le soleil, il est où? Ouais. Bon, la nuit va pas tarder à tomber. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est du charbon très vite. Très très vite du charbon. Sinon, ça va échauffer pour mon matricule. Ah bah écoute, voilà. Je pense qu'on va se le faire nous-mêmes le charbon. Je sais pas si on peut en fait. Je me rappelle plus comment on fait. Wesh. Alors déjà, faut que je me crasse un four. Tac. Si je fais ça et ça, est-ce que ça me fait du charbon? Je vais pas aller là-dedans sans charbon, hein. Vous le dis, sans rien voir, c'est-à-dire. Yes, du charbon. Allez, vas-y, on va s'en faire encore un. What? Bon, c'est de la merde. On va certainement en trouver, hein, mais. Ok, bon, ça je mets là. C'est vraiment pourri. Ok, c'est pourri. On va quand même s'en faire encore un. Tac, voilà. Ok. Ça je peux le foutre à la poubelle aussi, c'est nul. Bon, un petit autre charbon, voilà. Des pierres indispensables, ça c'est pour se protéger s'il y a un monstre qui nous arrive dessus. De la pomme aussi. Bien là, un petit charbon. Allez, encore 4 torches. Tac, ça ne fait pas beaucoup. Regardez, sans les torches. Hein. Vraiment, je vous dis, c'est très dangereux hein, de pas avoir de charbon. Bon, écoutez, on va se mettre là. Il y a du fer, c'est très bien. Toujours se faire une issue de secours. Voilà. Jamais avoir deux blocs de haut. Hein. Bon, je suis pas fan de cette grotte là. Elle est pourrie, non? En trouver une autre, vite. C'est de la merde. Il nous faut des grottes avec du charbon. Non, ça c'est moi qui l'ai fait. Ça là-bas c'est trop dangereux. Il nous faut un donjon carrément. Directement. Là-bas il y a une petite île. Je sais pas, je comprends pas le. J'ai l'impression que je suis sur une île, non? Je suis carrément sur une île là. Mais ouais. Je suis carrément sur une île. Bah super. Bah super, je suis sur une putain d'île quoi. Le soleil se couche. Le soleil se couche et je suis sur une île. On est refait quoi. Oh. C'est l'air de descendre profond ça, non? Il faudrait pas que je me. C'est un peu dangereux, non? Ok, on va couper la circulation. Voilà, sans pouvoir revenir. Alors la lave c'est extrêmement dangereux. Pareil, il y a des bestioles qui popent dans la lave. Et dans la pierre aussi. Bon, eux ils sont pas très forts, c'est juste qu'ils peuvent te causer une crise cardiaque. Ça va, il passe. N'empêche qu'on a toujours pas de charbon quoi. Je sais pas ce qu'il y a là-bas là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est un cul-de-sac, y'a rien.
Wesh. Ok. Bon, on va avancer. Ça, faut qu'on le ferme. La lave me one shot là, à ce niveau-là. On va bouffer, hein. Oh là là, quel gros porc mon personnage. Meilleur de petite baie là. Ok, bon bah y a rien, c'est super. C'est super cool. Allez, on va se faire fondre le fer qu'on a trouvé. Ah, 13 quand même. Ça va, putain, on a aucun charbon. Bordel de merde. Aucun putain de charbon quoi. On va creuser là, hein. De toute façon, là, on a rien d'autre à faire pendant la nuit. Demain, on ira essayer de se trouver un petit coin pour se poser, quoi, définitivement. Et puis, après, on commencera à discuter un peu de ce qui va se passer. Oh, yes. Une veine de fer et une veine de charbon. Ça c'est cool. Alors, ce qui est dangereux, c'est que je suis vachement proche de ce que je farme, de ce que je mine. Et du coup, il y a le monstre qui peut me péter à la gueule à tout moment. Et j'ai strictement aucune armure. Rien du tout. Je peux me faire one shot par tellement de bestioles dans le jeu. Vous imaginez même pas quoi. Vous imaginez même pas ce que ça nous réserve cette petite série là. Ça va être l'enfer pour moi. Donc ça va aller doucement. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Évidemment. Donc ça va pas aller très vite. Parce qu'il faut prendre son temps, pas faire les choses mal. Que sinon on meurt, tout simplement. Bon, bah finalement en fait, bah j'ai un peu miné là par là. En attendant que mon fer cuise là, fonde. J'ai un peu miné par là. Et du coup je suis tombé sur des bons filons. Bon évidemment j'ai repris toutes mes torches hein, parce que j'ai pas non plus 300 000 tonnes de charbon. J'ai trouvé des bons petits filons de charbon et de fer là. Donc c'est pas mal. J'ai dû me battre vite fait. Ah bah tiens il y a encore du fer là. Allez. On va creuser. C'est tout? Bon bah c'est tout. On va pas rester plus longtemps ici. Voilà, on ferme, on retourne ici, on met le dernier minerai et on va se crafter, je pense, bah une armure hein, direct. En vrai, de vrai, ouais. Pas non plus le choix quoi. Tac, tac, tac. Voilà, bah écoutez, là ça nous met bien. Hein. Là, de toutes les games que j'ai, de toutes les parties que j'ai fait là pour tester un peu le jeu, essayer, je me suis jamais mis aussi bien aussi vite. Ouais, là c'est super bien, je suis content. Bon après ça veut rien dire, hein. Ça peut se faire défoncer à n'importe quel moment. Mais bon. Ouais, je me suis fait un petit saut aussi, ça c'est hyper important. J'ai récupéré l'eau qui était là. C'est pour amortir les chutes ou pour descendre dans des grands ravins. Le saut c'est super fort, toujours ici avoir un petit peu de pierre pour se protéger. Regardez là, s'il y a un monde qui arrive, tac, bim, plus de monstres. Et puis après, bah, les outils hein, traditionnels. Bon, du coup, ça je m'en fous. Ouais, j'ai tué un squelette aussi, bon, t'en fous un peu. On va essayer de sortir. J'espère juste qu'il fait jour. S'il fait jour, allez, go. Ouais, l'eau à quoi ça sert? Ça sert à remonter comme ça, rapidement. C'est vraiment super l'eau. Waouh. Allez. Bon, par où on va? Pour se poser. On va pas se poser sur cette île, hein. Clairement pas assez de ressources. Ça va trop être la merde. Pour bouger, lui, je vais aller le voir là. Qu'est-ce que c'est cette maison là? Ça, c'est une maison du mode millénaire du coup. Qui rajoute ça rajoute les cultures, plusieurs cultures, donc comme je vous ai dit, Maya, Normand, ici c'est Normand,
Aztèque, non, Maya, Normand, Indien et Romain. Salut. Donc du coup, tu me vends des trucs. Mais tu n'achètes rien. Okay. Je peux pas te voler des trucs là. Ok. Et toi? Pas de voler non plus. Ok. Bon, tant pis. Tant pis. Allez, on s'arrache. Le truc c'est que là-bas, j'ai pas trop envie d'y aller quoi. J'ai pas trop envie d'aller là-bas parce que tout simplement c'est là où il y a le mage du mode Between Lands. Et ce mage, il va me déglinguer la tronche. Mais hélas, je ne sais pas trop où aller d'autre. Ok les gars, donc du coup, fin de l'épisode 1, partie 1. J'ai décidé de couper ça en deux, pas que ce soit trop long. Donc, bah rendez-vous dans la partie 2. Allez, ciao guys!